les amis, me revoilà pour une nouvelle guidance générale pour les énergies du 15 octobre. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors les amis, un très très grand merci encore pour vos dons, franchement de toute beauté, merci, 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 ça monte de plus en plus. Je le rappelle les amis, il n'y a pas de dons de montant précis, vous donnez simplement ce que vous voulez avec votre cœur, votre âme, tout simplement. Merci, merci, merci infiniment. Pour toutes les personnes aussi qui auraient besoin de mes guidances privées, simplement me faire la demande sur mon email professionnel qui est or.plumedoré@hotmail.com qui est inscrite en barre d'infos sous la vidéo. Bien sûr, pour ceux et celles qui feront les demandes à partir d'aujourd'hui ou demain, effectivement, il y aura un petit peu d'attente puisque j'ai quand même une liste avant eux. Voilà, tout simplement. Je voulais aussi redire, les amis, pour ceux qui me font des demandes et ensuite ils me font le règlement. Précisez bien, si c'est pas le même nom de famille, parce que j'arrive à m'y retrouver aussi sur les factures que je dois faire pour ma comptable. C'est important, s'il vous plaît, please. Voilà, les amis, je suis contente de vous retrouver. Donc, on va refaire donc une guidance qui est générale. Soit vous prenez toute la guidance entièrement, si cela vous parle, si cela vous correspond, soit par petit message. Et puis, rien ne vous parle, vous appelez tout simplement la vidéo. Et il y en aura d'autres pour vous prochainement, tout simplement. N'allez pas vous faire du mal pour rien, comme d'habitude, les amis. Pardon. D'accord. Allez, je vais essayer de faire vraiment une micro-micro-guidance générale. Pourquoi, les amis? Parce qu'il se fait tard, mais on m'a poussé à en faire une parce que je ressens qu'il y a des personnes qui sont dans du désarroi et qui sont au bout du bout. C'est-à-dire que vous baissez les bras et que vous vous dites encore que vous êtes dans une forme d'illusion. Que finalement, vous ne lui plaisez pas à elle ou lui. Et que vous avez décidé de baisser les bras. Non, on vous dit de garder la foi, les amis. Gardez la foi, la confiance. Hein, on est en train de me dire aussi là maintenant de suite en canalisation. Il y a des personnes, vous croyez que vous exprimez correctement ou clairement en face de la personne, or que c'est faux. On vous dit non, non, non. Elle ou lui ne comprend pas que vous aimeriez être avec lui ou elle, ou ne comprend pas que vous êtes attiré par lui ou elle. Vous n'avez pas les mêmes codes d'expression, on me parle des codes d'expression. Vous n'arrivez pas à... il ou elle n'est pas rassuré. Il ou elle n'est pas rassuré. Je vous parle de l'autre. Hein. Je ne vous parle pas du consultant-consultante que vous me regardez. C'est l'autre. N'est pas rassuré. Il lui faut un minimum de rassurance de votre part pour qu'il puisse aussi enchaîner le pas. Passer, oser à l'action. Il y a un moment donné, on vous dit que vous, consultant-consultante, vous êtes dans... au bout de vos limites. Il faut que aussi vous-même, vous preniez la décision de vous écouter, de vous respecter, de savoir si vous voulez passer à l'action ou pas. Il y a un moment donné, il faut oser, il faut montrer, il faut exprimer. Allez, alors on va aller prendre un petit message de Maman Marie. Je l'entends, je l'avais sorti en plus, vous voyez, j'ai failli l'oublier. Et ensuite, on prendra mon petit oracle que j'ai fait main, les 70. Voilà les amis, hein. J'espère que vous allez vraiment, vraiment, toutes et tous bien. Et vraiment un grand merci pour tout l'amour que vous m'apportez, hein, avec vos cadeaux, vos dons, vos lettres. Vraiment un grand, grand merci du plus profond de mon cœur. Maman Marie, oui, on vous dit ici, regardez, je venais de vous le dire, punaise. Merci aux synchronicités, Maman Marie. On vous dit gardez la foi. La foi, c'est pas que du lundi au mardi, je vous l'ai déjà dit. La foi, c'est 7 jours sur 7, c'est 24 heures sur 24, c'est toute l'année, d'accord? Gardez cette foi. Gardez cette foi, cette volonté, cet espoir de ce lien. C'est sûr et certain. Gardez cette foi. J'ai foi en Dieu pour améliorer cette situation. Cette situation va s'améliorer. Mais à un moment donné, il va falloir que vous arriviez à vous exprimer, mais correctement. Et n'ayez pas peur, si je puis dire. Peut-être qu'il y en a certaines qui ont peur de dire, merde, il va me prendre pour une allumeuse, un dragueur, etc., etc. Non, là, vous êtes arrivé à un moment propice, c'est-à-dire que là, il est là. Là, faut que ça bouge encore un petit peu, là, parce que sinon, vous allez rester en stand-by. Hein.
Faut essayer de faire bouger un peu les énergies, on me parle. Hein. D'accord? Allez, Maman Marie, as-tu d'autres messages, s'il te plaît? Allez, Maman Marie, excusez-moi, il y a du brouhaha derrière, c'est les titis d'amour. Hein, je vous le rappelle, on débute le week-end. Donc, comment vous dire? Ils sont un bout excités. Allez, please, Maman Marie, as-tu d'autres messages, s'il te plaît, ou pas? On a deux. Regardez, nous avons Jésus d'amour qui est avec nous de toute beauté. Hein, bien sûr, Jésus hein, qui vous dit « Je l'adore ». Je prie pour recevoir l'aide de Jésus et ses conseils dans cette situation. Oui, regardez, priez, demandez, expliquez ce qui ne va pas. Peut-être aussi, je ressens, il y a des personnes qui se sentent un peu oppressées. Demandez de l'aide. Demandez, respectez-vous aussi. J'entends beaucoup, beaucoup des personnes, vous ne vous faites pas assez confiance. On vous demande d'avoir aussi de l'empathie pour vous-même et de retrouver votre confiance. Pourquoi? Parce que, certes, les énergies sont invisibles, on le sait tous, mais les énergies sont bien là. Si vous allez dégager psychologiquement parlant pardon, de la noirceur, du manque de confiance, que tout va mal, de la peur, etc., etc., effectivement, vous allez dégager ces énergies-là. Ces énergies-là vont attirer, vos énergies vont attirer les énergies qu'il y a de néfastes autour de vous et ils vont encore amplifier le mal-être que vous avez sur vous. J'espère que j'étais assez claire. Donc, essayez de visualiser le positif, essayez de relativiser, essayez de demander, essayez de prier, s'il vous plaît. Et s'il vous plaît, les amis, bonté divine, ce n'est pas compliqué. Si vous ressentez que vous avez un souci de manque de confiance en vous, que vous ne vous aimez pas, que vous ne vous trouvez pas joli, ceci, cela, demandez de l'aide, même à quelqu'un de terrestre. Hein, il n'y a pas que le monde céleste, il ne faut pas non plus voir que du haut. Hein. Certes, il y a le haut, mais nous sommes aussi en bas, à la racine, sur notre très belle terre, Mère Gaïa. Donc, il y a aussi des gens terrestres qui sont bienveillants, qui sont dans la bienveillance, dans l'entraide, dans l'amour. Il faut toujours y croire. Hein. Et du coup, demander, c'est sûr et certain, il y aura au moins une personne qui pourront vous aider. Alors, effectivement, j'entends canalisation, il y a des personnes. J'enchaîne parce que ça enquille. Hein. ils y vont, les cocos. Du coup, oui, allez-y. Là. Oui, donc, on vous disait que pour ceux et celles qui ont des doutes au niveau de l'habillement, qui se sentent pas jolis, pas beaux, etc., etc., il y a au moins une personne de votre entourage, demandez de l'aide. On va vous aider peut-être à racheter un petit peu de 3 vêtements pour vous remettre un petit coup de peps, de vous remettre un petit peu en valeur, un petit coup de maquillage pour les filles et les garçons aussi s'ils veulent mettre un peu du noir, hein, pourquoi pas, il n'y a pas de tabou à cela. Des nouvelles, 2-3 petites nouvelles affaires comme ça, ça va vous faire aussi du bien au moral, on me dit là maintenant de suite. Hein, on vous dit pas de brûler la carte bleue comme plume dorée. Parce que alors moi, voilà, hein, les fringues, c'est toute ma vie, que ce soit pour mes gosses ou les miennes. C'est une cata. La carte, je l'enflamme. Bref, petite parenthèse, on la ferme. Et du coup, on vous dit, voilà, donnez-vous les moyens. Si vous sentez que vous avez des manques de confiance en vous au niveau vestimentaire, au niveau maquillage, ou bien aussi pour le manque de confiance en soi, je le répète et je le dirai toujours, faites des méditations pour reprendre confiance en soi. C'est important. Avec YouTube, maintenant, il y a quand même je ne sais combien de méditations gratuites pour différents thèmes. Je trouve que c'est très chouette, on va dire cela comme cela. Donc, allez-y, prenez un petit temps pour vous et travaillez cela. Alors, vous pouvez le faire aussi avant de vous coucher tous les soirs. Hein, une petite méditation de 10 à 15 minutes, c'est pas non plus... hein, voilà. Voilà, confiance aussi. Voilà, hein, prenez confiance. Je sais que Dieu, dans sa sagesse et son amour infini, répond à mes prières dès maintenant. Ayez confiance, ayez la foi. La foi, c'est ça. La foi, c'est le courage, c'est l'espoir, c'est la confiance. Hein. On vous dit là, vraiment, ça insiste bien sur le monde céleste. En l'occurrence, Jésus est avec vous. Priez, demandez. Sachez qui vous guide. Hein. Il vous guide dans le bon chemin. Alors, si vous sentez, ça ne parlera pas à tout le monde, parce que je répète, c'est une guidance générale. Si vous sentez que vous êtes au bout du bout, que vous êtes dans un effet d'épuisement total, psychologique, aussi je ressens beaucoup psychologique, hein, parce que ça tourne en boucle au niveau mental, au niveau ressenti de l'autre, au niveau connexion. Excusez-moi, au niveau connexion aussi, et on voit bien que
Vous êtes perturbé, on sent que vous en avez un ras-le-bol, parce que vous avez la sensation que rien ne bouge, rien n'avance. Et finalement, comme vous n'avez pas de preuves dans la matière, eh bien, vous pensez que vous êtes toujours dans une forme d'illusion. Allez, dos de deck, on vous dit Dieu. Non, mais là, franchement, on a tout. On a la foi, on a Jésus, on a confiance, on a Dieu. Hein, je ne peux pas vous dire autrement. Ils sont bien à côté de nous. Ils essayent de vous aider. Hein, il y a une forme de paix, que vous allez retrouver une forme de paix. Hein. Je sors de la lutte et abandonne tout besoin de contrôle afin de céder la place à l'amour de Dieu dans mon cœur et dans cette situation. Voilà. Et aussi, essayez d'arrêter d'être toujours dans une forme de contrôle. Lâchez prise, comme je vous disais. Lâchez prise, c'est aussi si bien pour votre expression. Hein. N'ayez pas peur d'exprimer réellement maintenant les sentiments. J'ai l'impression que c'est l'opportunité qui arrive. Aïe, c'est le moment de ne pas laisser la personne d'en face de passer à l'action. Il faudrait que ce soit les deux. Hein. C'est-à-dire que vous essayez de bien vous exprimer, que vous êtes sur la même longueur d'onde. Voilà ce qu'on me dit. Hein. Parce qu'il y en a un des deux, on est en train de me dire que il comprend ou elle comprend pas du tout ce que vous voulez. Pour lui, c'est ou pour elle, c'est impensable que vous vous intéressiez à lui ou à elle. Non, mais c'est un truc de ouf, ça. Ben, je mettrai ça en titre. C'est ce qu'on me dit. Exprimez-vous parce que la personne d'en face a l'impression que c'est impensable que vous vous intéressiez à lui ou à elle. Non, mais c'est un truc de dingue, ça, quand même. C'est fou, hein. Il pense ou elle pense que vous êtes trop bien pour lui ou pour elle. Non, mais c'est un truc de dingue, une dinguerie. Personne n'est trop bien. C'est fou, ça. C'est des croyances limitantes. Tout le monde est bien. Voilà. Même s'il y a des gens négatifs, même s'il y a des gens vraiment hargneux, méchants, etc. Moi, j'arrive toujours à me dire, au fond d'eux, j'en suis sûre qu'il y a une petite cellule de gentillesse. C'est sûr, je veux y croire. Alors, peut-être je suis dans le déni, mais je m'en fous, je veux croire à ça. Voilà, les amis. Allez, on y go, là. Alors, n'hésitez pas, les amis, hein, bien sûr, de liker, partager et pourquoi pas laisser un petit commentaire si le cœur t'en dit. Forcément, rien n'est obligatoire sur ma chaîne, donc c'est si cela te dit. D'accord ? Et encore vraiment un très, très grand merci pour tout l'amour que vous m'apportez à moi et mes guides d'amour. Faut pas les oublier. Ils ont besoin d'amour aussi, tout le monde céleste. Hein. Eh oui, ils aiment qu'on leur dise, qu'on les remercie, qu'on les aime, qu'on prie, qu'on aille à l'église. Ou vous pouvez faire vos prières chez vous, hein, y a pas de souci. Allez, s'il vous plaît, mes guides d'amour, y a-t-il des messages pour les personnes à laquelle cette guidance leur parlera, please? Alors, ici, nous avons déjà au niveau d'un homme. Alors, effectivement, les amis, si vous êtes vous-même un homme en tant que consultant, forcément, vous interversez, c'est pour une femme. Et puis, si vous aimez les hommes ou si vous aimez les femmes, c'est à vous de voir. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de tabou sur ma chaîne. Tout le monde est là. Bienvenue, je le rappellerai tout le temps. D'accord ? Allez. Et puis, on vous dit, oui, avec cet homme-là, il faut que vous visualisez du positif. C'est-à-dire que visualisez, alors cet homme ou cette femme, je répète, visualisez votre prochaine communication, votre prochain peut-être de vivu, visualisez comment ça va se passer, visualisez vos retrouvailles, visualisez peut-être aussi un rendez-vous. Hein, et que tout cela va bien se passer. Vous allez réussir à vous exprimer correctement, avec sérénité, bienveillance, amour, hein, à bien faire comprendre que cette personne d'en face, vous lui plaisez et elle vous plaît. Voyez ? Allez, s'il vous plaît, les guides d'amour. Y a-t-il... Parce que je ne veux pas la faire trop grande. Oui, on vous dit, hein, voilà, hein, le chiffre 33, Jésus est bien avec vous. Hein, Jésus est avec vous. Hein, donc, il est là. Les synchronicités sont encore bien ici. Jésus est bien avec nous. En tous les cas, dans ce tirage général, il est bien là. Et ne vous inquiétez pas, il est aussi dans votre vie, hein, de tous les jours. Allez, s'il vous plaît, mes guides d'amour. Y a-t-il d'autres messages ? Oui, on vous dit, c'est votre situation. C'est votre situation. Consultant, consultante, les amis, pour ceux à qui ça parlera, on dit, c'est bien votre situation. C'est-à-dire qu'il y a bien, on vous conseille de visualiser du positif avec la personne qui est votre futur hôte, pour ceux et celles à qui ça parlera. Et on vous dit, demandez à Jésus si vous avez du mal à vous exprimer ou à faire comprendre qu'effectivement, cette personne vous plaît. Hein.
On vous redit là, ici, je dis on vous redit pourquoi, parce que pour moi, le hasard n'existe pas. Mais je le dis bien fort, cela est mes croyances à moi. Si vous pensez que le hasard existe, grand bien vous fasse. D'accord? Il n'y a pas de souci. Moi, je le dis parce que pour moi, effectivement, tout ce qui arrive à un moment opportun dans votre vie, c'est que ça devait se passer ainsi. Si à une telle heure, vous avez un truc dans votre vie, c'est que ça devait arriver à cette heure-ci précisément. Si vous avez une telle chose qui arrive à un mois précis, c'est que ça devait arriver précisément ce mois-ci. Si c'est dans un an, c'est que ça devait arriver dans un an. D'accord? Tout a un but pour nous faire travailler. Tout a un but pour nous faire grandir. Tout a un but pour nous faire prendre de la hauteur. D'accord? Allez, s'il vous plaît. Moi, les amis, voilà, hein, j'ai vraiment envie de vous dire cela. Donc, je vais vous le dire. Ça pourra en aider certains, certaines. On est d'accord. Moi, les amis, pour moi, tout le monde céleste, hein, au-dessus, hein, c'est comme s'ils avaient, vous savez, une télécommande. Vous savez, une télécommande de télé. Et puis, pour chaque personne, de chaque obstacle qu'on a à faire ou à grandir ou améliorer, ou aller dans n'importe quelle situation, quelle qu'elle soit, eh bien, ils ont télécommande, touc, 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 touc. Voilà, moi, pour moi, c'est ça, d'accord? Je vois ça comme ça. Pour moi, la vie terrestre, la réincarnation, c'est comme dans un film, finalement. On a des choses à améliorer, on a des choses à comprendre, on a des choses à comprendre sur l'être humain, sur les animaux aussi, sur la nature, sur la terre. Il y a des choses à améliorer et c'est pour ça qu'on est réincarné sur réincarné. Alors bien sûr, il y a pas tout le monde, on est bien d'accord parce qu'on le sait tous qu'il y en a certains, certaines qui ont des vieilles âmes, donc ils ont été réincarnés à plusieurs reprises. Et il y en a d'autres qu'ils ont été réincarnés que une, deux, trois fois. D'accord? Ok. Mais en tous les cas, pour moi, dites-vous cela. Ça pourrait vous aider à mieux vivre les situations et à plus vivre en conscience tous les jours dans une journée complète et à prendre mieux avec légèreté, avec lâcher prise vos vies, votre vie si vous voulez, à vous dire oh ben finalement voilà, il n'y a pas mort d'homme. C'est comme, pourquoi je vous dis ça les amis, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens du moins autour de moi qui ont peur de la mort, hein. Mais il ne faut pas en soi, puisque c'est simplement notre corps qui est fatigué, donc qui meurt notre corps, mais notre énergie de notre âme, elle s'en va du corps et elle repart dans le monde céleste, tout simplement. Donc, il faut vraiment pas, faut pas vous mettre, faut pas vous mettre du mal à ça, d'accord? Vraiment. Hein. Après, je peux comprendre, c'est compliqué, hein, mais voilà. Voilà, je voulais vous le dire, donc je vous l'ai dit. Allez, s'il vous plaît, mes guides d'amour, y a-t-il d'autres messages? Oh, on adore. Nous avons le chiffre préféré de qui? De moi, de Bibi. Le chiffre 7, voilà. Hein, donc, le divin, hein, on nous confirme bien qu'il est là. Les oiseaux vous parlent. Bon, bah, alors ça, moi, je ne vais pas vous le cacher, effectivement. C'est pour moi aussi, hein, les oiseaux, je les attire. Mais pas que, toute forme d'animaux. C'est une dinguerie, je vous jure. Quand je vais au zoo et tout, il y a un énorme gorille, mais alors d'une beauté, mais splendide. Et je crois que je vous avais déjà mis une photo sur ma communauté de la chaîne YouTube, hein, forcément. Et oh là là, je vous jure, je le regardais droit dans les yeux, il me regardait, mais j'ai ressenti une connexion, mais je vous jure, d'une beauté. Mais c'est sûr qu'il est effrayant, ce gros gorille, mais il est d'une beauté. Mais je sais pas comment vous expliquer, j'ai de l'amour pour ce gorille. C'est un truc de malade, j'ai de l'amour pour ce gorille. Je ressens tellement de choses dans son regard, mais remarque, c'est comme mon chien Daisy, c'est pareil. Je ressens tellement d'amour, tellement de je sais pas comment expliquer, c'est bizarre. Bon, bref, allez, on va. Je vous raconte. Ouh, c'est tombé par terre. Je vous raconte ma vie, comme d'hab. Hein. Allez, comme. Voilà. Alors, on vous dit, ici, oui, c'est ça. On vous dit, restez positif. Oui, restez positif. Hein. Le positif attire le positif. D'accord? Alors, je sais, il y a des jours qui seront un peu plus moins drôles que d'autres. Ok, très bien. On ne vous demande pas non plus d'avoir toujours la patate ou que tous les jours ça va bien aller. Non, on le sait tous, moi la première. Hein, je vous ai toujours dit, vous êtes moi, moi je suis vous. Hein, il y a des jours ça ne va pas non plus. J'ai un manque d'énergie, j'ai un manque... Enfin, ouais, si on veut. On va pas dire un manque d'énergie parce que j'ai toujours la patate. Hein, moi je suis hyperactive. On va dire plutôt
Un peu de tristesse, voilà, un peu de tristesse, un peu de dualité, hein. Donc, moi, je suis comme vous, les amis, hein, faut le savoir. Hein. Et puis, ici, on vous dit, écoutez votre intuition. Écoutez votre intuition. Alors, attention, parce que là, maintenant, de suite, on me dit, en canalisation, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais on est en train de me dire, les amis, écoutez votre intuition. Alors là, c'est vrai, ça n'a rien à voir par rapport à votre hôte. Ça a à voir à un ensemble de personnes qui vous entourent, ou du moins une personne. Vous vous obstinez à rester, à donner des nouvelles à cette personne, à être proche de cette personne, mais on vous dit en soi ça ne sert à rien du tout, parce qu'au bout du compte elle s'en fout royale, et pour les jours, les semaines à venir, ça pourrait même vous critiquer ou vous mettre des bâtons dans les roues, on me dit, voilà. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, ça parlera peut-être à certains, certaines. Hein. D'accord? Allez, s'il vous plaît, y a-t-il d'autres messages, mes guides d'âme? On va y aller parce que je ne voudrais pas faire trop long. Oui, non, je les prends, de toute façon, comme on est vendredi. Allez, qu'est-ce qu'on... Oh, il n'y a pas, regardez, Maman Marie est bien là. J'adore Maman Marie. De toute façon, elle est toujours avec moi, avec Jésus. Hein. Même dans toutes mes prières, elle est là. Je sais qu'elle est toujours proche de moi. Hein, à l'église aussi, je ne sais pas, j'ai une connexion particulière avec elle. Hein, plus qu'avec les autres, Maman Marie et Jésus. J'ai toujours été attirée par eux depuis toute petite. Hein, je suis convaincue que tout ce que j'ai eu en malheur, ben, finalement, ça m'a fait grandir. Et... mais ils m'ont mis les bonnes personnes quand même finalement sur mon chemin. Voilà, j'ai envie de le dire, donc ça parlera peut-être aussi à des personnes d'entre vous. Hein. Toujours rester positif. Oui, regardez ce que je vous disais il y a un instant, jalousie. Hein. Faites attention, hein, parce qu'il y a une personne où vous obstinez. Écoutez votre intuition. Votre intuition vous dit que c'est féminine, on me dit, hein, une fille. C'est pas un homme, c'est une fille. Hein. On vous dit, écoutez votre intuition. Là, votre intuition vous dit, arrêtez de vous obstiner à tout faire pour qu'elle vous aime ou à être son amie parce qu'elle s'en fout royale. Elle s'en fout royale. Et en plus de ça, elle sera jalouse plus tard. Si c'est peut-être quelqu'un, c'est peut-être une fille aussi qui visualise à être aussi avec votre futur autre. Hein. Ou alors, c'est peut-être aussi sa femme actuelle. Hein. En tous les cas, où il y a peut-être déjà une entente que vous avez déjà parlé ensemble ou quoi qu'est-ce. Hein. D'accord? Ici, on vous parle de papillon de lumière sous les projecteurs. Papillon de lumière sous les projecteurs. Je crois que c'était ça. Alors là, je vous rassure, c'est pas mes kids qui me disent ça. Je sais, enfin, remarque, si, parce que ça me vient comme ça d'un seul coup, d'un seul. Alors, c'est peut-être eux, mais ça me parle, cette musique, parce qu'il y a, elle est récente quand même, hein, elle a peut-être 5-6 ans, peut-être. Et on vous dit, le papillon que vous êtes va jaillir sous les projecteurs. Donc, ça veut dire quoi? Vous allez jaillir sous la belle lumière. Et vous méritez, parce que vous avez semé du positif. Vous êtes en période de transformation, vous allez vers le positif, vous allez vraiment prendre de la hauteur, mais à un point, vous n'imaginez même pas, les amis. Là, oui, donc je vous disais, la jalousie au niveau de... Je la mets ici parce que je ressens que c'est ici au niveau de votre intuition. Ouais. D'accord, les amis? Alors, n'hésitez pas, les amis, hein, à liker, partager, pourquoi pas laisser un petit commentaire si le cœur t'en dit. Papillon de lumière sous les projecteurs. Ben oui, c'est beau un beau papillon qui se transforme et qui va sous la lumière. Ouais, alors là on vous dit attention à la fatigue et le stress. C'est peut-être ça aussi qui pourrait vous mettre un petit peu en dualité et encore un petit peu dans des périodes d'obscurité. Pourquoi? Parce que vous ne dormez pas assez, oui, Aurore, t'as raison, assez. Vous ne dormez pas assez et du coup, il y a des choses qui vous stressent. Hein. Allez, s'il vous plaît, mes guides d'amour. Je passerai des heures avec vous, c'est dingue. Il va falloir que j'arrête quand même. On est rendu à 24. J'ai chaud, mais j'ai chaud. C'est une dinguerie, j'ai chaud. Hein? Ah bah oui. Ben oui. J'ai chaud, mes guides me disent, ben oui, c'est ton thé. Ben oui, c'est mon thé, quel con. Oh là, non, je sais, oui, je suis pas... Oui, pas de gros mots.
Allez, s'il vous plaît, please. Oui, il y a pas, il y a bien un amour. Restez positif. Jésus vous dit, restez positif, c'est bien votre amour. Il y a bien un réel amour entre vous et votre autre à laquelle vous pensez. D'accord? Vous n'êtes pas dans l'illusion. Alors attention, les amis, hein, pour ceux à qui ça parle, hein, essayez de prendre du recul, hein, pour ceux à qui ça parle pas et puis vous attendez depuis je ne sais combien de temps. Ouais, je sais même pas ça, si ça se dit, mais parce qu'il y en a, je sais que c'est quand même assez compliqué. Ça fait plus 2 ans quand même que ça tourne. Ouais. Comment dire? Bah vous le saurez. On me dit vous le saurez au niveau du cœur, de votre intuition. Donc pas d'inquiétude. Allez, s'il vous plaît, mes guides d'amour, y a-t-il d'autres messages? Messages? Oui, on veut tous des messages positifs. Ouais, il y a blocage. Il y a blocage là. Alors pourquoi blocage? Blocage au niveau amour. Ouais, dans votre situation. Ouais, c'est ça. C'est ça, les amis. C'est ça, les amis. Votre expression n'est pas bonne de comment vous vous exprimez vis-à-vis de votre autre. Alors, si vous vous exprimez à haute voix, c'est bien ce que je disais. Il ne comprend pas, il ne sait pas que vous lui plaisez ou elle vous plaît. Allô? Allô le monde? Est-ce que tout va bien? Allô le monde? Non, mais il faut que je me calme, c'est pas possible. Bon, allez, on va. Arrête! Me faire disputer, hein. Oui, donc il y a un blocage, les amis. Ouais, blocage, oui. On me dit oui. Il y a un blocage, c'est vous qui bloquez les choses. Parce que vous mettez trop de pression et vous n'arrivez pas à exprimer clairement. Et vous avez le chakra de la gorge, hein, qui est bloqué. Vous avez une boule ici. Vous aimeriez dire et vous aimeriez exprimer réellement les sentiments, la connexion, et que vous avez compris qu'il y a un lien entre vous et vous lui plaisez, mais. Voilà, effectivement, la personne d'en face, ou vous, hein, les énergies sont interchangeables, ou vous avez l'impression que, bah oui, c'est ça, c'est ce que je disais en début de guidance, vous avez l'impression que vous mettez où il se met la barre, où elle se met la barre trop haute, et on a la sensation que maintenant je rêve, elle est trop bien pour moi, il est trop bien pour moi, oh là là là, je suis vraiment dans l'illusion, ben on vous dit non, hein. On vous dit non, les amis. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Allez, s'il vous plaît, mes guides d'amour. Y a-t-il d'autres? Ouh, mais ça, j'y ai peint le jaune, l'abondance, le positif, le jaune, les amis. Allez, arrête de faire la bécasse. Oui, regardez, les blocages, ça rend de la lenteur dans votre lien. Il va falloir que vous. Voilà, il va falloir que vous sachiez si vous voulez passer à l'action ou pas. Parce que là, de toute façon, vous êtes au bout du bout. Hein. Je le sens, je le ressens, je le redis en canalisation. Vous êtes au bout du bout. Hein. C'est de savoir si vous-même, vous êtes prêt à passer à l'action, du moins à lui faire comprendre un petit, rien qu'un petit mot, de lui dire, de le rassurer ou de la rassurer, de lui dire, hey, tu ne fais pas de film, tu me plais, quoi. Je veux quelque chose, tu me plais. Et l'autre personne, ou sinon c'est à lui ou à elle qui va passer à l'action. Oh, il n'y a pas le solaire, l'abondance, la positivité. Il y a vraiment une forme d'abondance qui arrive vers vous. Hein, vraiment, vraiment, vraiment magnifique. Et restez dans une forme de gratitude, de remerciement, non seulement pour le monde céleste, et pour tous ceux et celles aussi qui vous ont aidé dans ce monde terrestre, si je puis dire. Ok! Allez, please, y a-t-il d'autres messages, mes guides d'amour? On vous dit, c'est pour bientôt. L'abondance, l'amour, l'expression en soi, c'est pour bientôt, les amis. Yep! Allez, merci, mes guides. Lâchez prise, oui, lâchez prise, arrêtez d'être dans le contrôle. Plus vous allez dans le contrôle et plus il y aura de la lenteur, plus il y aura des modes blocages. Laissez-vous aller, hop, y allez. Hein, on vous dit demain, vous mourrez, vous allez, on vous dit, allez, vous partez de la terre. Qu'est-ce que vous faites? Ben, vous lâchez tout, et ben, faites ça. L'eau, vous, oui, lâchez prise au niveau amour, dites vos ressentis, dites que, faites comprendre à cette personne que vous l'aimez, enfin, vous l'aimez, hein, n'y allez pas non plus, n'allez pas lui faire peur. Hein. Mais rassurez-la, comme quoi, lui aussi n'est pas dans une forme d'illusion, parce que finalement,
C'est un peu effet miroir. Vous croyez que vous êtes dans une forme d'illusion et lui, c'est ou elle, c'est pareil aussi. Regarde, retour de. Oui, il y aura un retour de toute façon de l'amour, de la communication peut-être, et il y aura un voyage, un déplacement. Il va se déplacer. Ou c'est vous qui allez vous déplacer ou c'est lui. Hein. D'accord? Je vous dis, hein, c'est l'un ou l'autre. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Peut-être quelqu'un du travail. C'est peut-être quelqu'un du travail. Vous travaillez peut-être avec cette personne, d'accord? Ou alors vous avez l'intention de travailler avec ou vous allez la rencontrer au travail. Ce qu'on me dit là maintenant du système canalisation. On vous dit ici, Jésus est avec toi. On l'avait bien compris. Merci Jésus d'amour. On te fait des gros bisous d'amour. On l'a bien compris, mon petit Jésus d'amour. Regardez mon Jésus comme il l'avait dessiné. Franchement, c'est pas de toute beauté. On adore. On adore. Et ici, on vous dit, oui, attention à la procrastination. Plus vous allez procrastiner, plus vous allez remettre au lendemain ce que vous voulez faire le lundi, ça va pas aller, les amis. Oui, regardez, on vous dit, c'est une âme à âme, une connexion. Âme à âme, une connexion, les amis. On en arrête là. Et on vous dit, femme en dos de deck, soyez à l'écoute des synchronicités. Et on voit bien que vous êtes quelqu'un de pur, de sincère, pour un nouveau départ, confiance en soi. Une vérité à savoir et croyez au miracle, un cadeau dans les jours, semaines. Voilà les amis, que vous dire de plus que c'était-il pas beau? Mais que c'était-il pas beau, les amis? N'hésitez pas à liker, à partager, pourquoi pas laisser un commentaire si le cœur tendu. Putain, je me suis pété le nez au meuble. Oh la vache, putain, je me suis mis claque. Ah bah oui, bah, il n'y a pas de gros mots qui vient, voilà quoi, ça fait mal. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Voilà. Oh là, non, 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 attends, et je reprends là parce que non, non, ça peut pas aller là. Je vais trop vite en besogne. Hein. Ok, alors ici on vous dit décès, c'est pas vraiment un décès, c'est simplement une fin de cycle, tout simplement. Fin d'une cycle, fin des défis qui arrivent vers vous, les amis. Hein. On vous dit attention, il y a une grosse dépense à faire, il y a une grosse dépense à faire ici, là. Pour cet hiver, il y aura une grosse dépense à faire pour cet hiver. Et moi, je ne sais pas pourquoi, j'entends canalisation au niveau d'une maison. Une grosse dépense à faire au niveau d'une maison. Alors, pourquoi pas peut-être faire un gros emprunt. Ici, nous avons la lettre T. Donc, début de prénom, fin de prénom, début de nom de famille. Et pour les personnes, début de... le G, pardon, début de prénom, fin de prénom, nom de famille. Oh, je peux y arriver, c'est pas possible. Alors, dites-moi la base. Alors, ok. Alors, ici, nous avons le chiffre 6 tout seul. On me dit de le prendre tout seul, d'accord? Chiffre 6. Donc, c'est bien. Vous êtes les amoureux. Ça correspond bien à l'amour. C'est bien aux amoureux, d'accord? Ici, on me dit avec le chiffre 4. Donc, soit un chiffre préféré, le chiffre 4. Soit simplement le mois d'avril, on me parle du mois d'avril, peut-être vous allez te rencontrer la période d'avril, et ou sinon on me dit dans 4 jours, 4 semaines, 4 jours, 4 semaines, d'accord? Ah, ici avec le 3, on me parle comme quoi au jour d'aujourd'hui, vous êtes encore en forme de triangulaire, donc c'est soit vous ou soit votre hôte est encore en couple ou en séparation, mais ils vivent encore sur le même toit. D'accord, mais il n'y a plus rien entre eux. Et là, tout simplement, on me parle du chiffre 65 ou 56. Alors, soit des âges correspondants, soit une année. Et le chiffre 11. Vous allez voir 6 plus 5, on me dit le chiffre 11. Pour ceux qui voient souvent l'heure 11h11 aussi. Hein, on dit, écoutez bien vos ressentis. Ici, on vous dit, regardez avec cette belle... Perles, vous êtes des belles perles. Il vous voit ou elle vous voit comme une perle. Vous êtes sa destinée. Il le ressent au fond ou elle le ressent au fond de ses tripes, si je puis dire. Magnifique. Vous êtes des très, très belles perles. On vous dit aussi avec la plume, la feuille. Non, c'est une feuille ou une plume? Non, excusez-moi, c'est une feuille. On vous conseille de lâcher prise vraiment au niveau de l'amour. Laissez votre expression, vos ressentis lui... Dévoiler ce que vous ressentez. Pardon, je vais y arriver. Et ici, regardez, on vous dit, n'oubliez pas, c'est vous-même qui avez la solution. Vous avez la solution au fond de vous, au fond de vos ressentis, de votre cœur, de votre âme, tout simplement. Et n'oubliez pas, en dos de deck, nous avons
C'est votre âme à âme, une connexion. Donc ne l'oubliez pas, si cela peut vous réconforter. Les amis, n'hésitez pas à liker, à partager, pourquoi pas laisser un petit commentaire si le cœur t'en dit, les amis. Voilà, voilà, j'espère que cela vous aura plu, les amis. Franchement, restez toujours dans une forme de bienveillance, de sagesse, de paix, mais surtout d'amour pour vous en premier lieu et d'amour pour autrui ensuite. Je vous dis à une prochaine vidéo pour une prochaine guidance. Des gros bisous d'amour, de l'énergie positive. Ciao, ciao, ciao les amis. Gros bisous d'amour.